Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale puisque nous avons l'annonce du prochain farming qui sera donc farming 22 à la place de farming 21. Alors, jusque-là, mis à part peut-être moi qui suis le premier surpris, globalement, il y a beaucoup de monde qui pensait déjà que c'était farming 22 et non farming 21. Mais voilà, globalement, on va dire que pour les trois quarts des personnes, c'était à peu près normal. Donc du coup, qu'est-ce que nous avons comme information? On va regarder ça tout de suite. Alors, je savais pas trop si ça valait le coup que je fasse une vidéo juste pour ça, mais bon, allez, tant qu'à faire, on a dit. J'ai dit hier soir, j'ai dit, allez, on verra bien demain, et du coup, on va faire cette petite vidéo tranquillement. Donc du coup, nous avons l'en-tête de ce prochain farming, donc farming 22, avec une petite casquette FS qui est posée sur de la neige. Là, jusqu'à présent, mode saison, qui devait être d'origine sur le prochain farming, pas une énorme surprise puisque globalement il y avait déjà on va dire les trois quarts de la population qui le savait, enfin en tout cas ça parle depuis plusieurs mois que ce serait le cas, donc c'est pas une énorme surprise. Donc un nouveau farming, ça vous tente machin, vous allez être servi, débarque sur PC, Mac, PS5, Xbox Series X et PS4 et Xbox One. Alors là pour le coup, moi j'avais quelques hésitations sur le fait qu'il allait sortir sur PS4 et Xbox One, mais finalement il va sortir. Bon, déjà il y aura déjà le jeu, c'est déjà pas mal. Est-ce que les modes seront les mêmes? Je ne pense pas, puisque vous savez déjà le ramdam qui mène entre les consoles et les PC pour l'instant, enfin la différence qu'il y a. Donc on peut peut-être supposer, hein, une supposition, il n'y a rien de sûr, que les modes se rapprocheront un peu plus entre les PC, enfin PC, PS5 et Xbox Series X, ils seront peut-être un peu plus rapprochés que ce que c'était avec la PS4 et la Xbox One. Mais en tout cas, voilà, déjà il sortira sur PS4, Xbox One, c'est déjà pas mal. Après, on verra par rapport au mode ce que ça donnera. J'ai peur, et ça je le dis depuis quelques semaines aussi, que sur PS4 et Xbox One, il y ait très peu de modes, puisqu'ils se concentrent quand même globalement sur une nouvelle console. Mais bon, on verra ça quand on aura plus d'infos. Donc ce nouveau jeu fait un grand bond en avant en termes d'options et d'amélioration, alors que j'ai rien à offrir mes couilles en ski. Donc la bande-annonce, la fameuse bande-annonce qui dure 18 secondes, où on n'a pas une chier d'infos non plus, hein. On a la casquette en automne avec les feuilles qui tombent, la casquette en hiver posée sur la neige, n'est-ce pas? Et je crois que c'est tout. Voilà, coming Q4 21, donc vous l'aurez compris, fin d'année, octobre, novembre ou décembre. Alors en règle générale, c'est soit octobre, soit novembre. On verra si cette fois-ci ce sera le cas. Logiquement, ça ne devrait pas être en décembre. En tout cas, c'est rare que ça arrive en décembre. Mais voilà, du coup, ils ont. Alors, on est au mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, potentiellement 6 mois d'avance, 6 mois voire 7 mois, à peu près comme d'habitude. Ils n'ont pas montré grand-chose dans le trailer. C'est ce qui est bien, parce que vous savez que plus ils en montrent, plus il y a des fausses infos qui tournent. Et je suis sûr que cette année il y en a qui sont capables de dire qu'on va pouvoir aller sur la lune, donc voilà, vaut mieux qu'ils en disent pas trop, c'est déjà sympa. Alors Farming 22 vous permettra à vous et vos amis fermiers d'être plus créatifs dans vos constructions d'exploitation. Ça tombe bien, je m'en servais pas du tout et je détestais ce truc là, donc j'espère qu'ils auront amélioré ce machin là, ou alors est-ce que j'aurai plus de patience pour le faire, peut-être, mais en tout cas pour l'instant c'est pas trop le cas. Avec de nouvelles cultures, alors on n'a pas le nombre mais on sait qu'il y aura des nouvelles cultures. De nouvelles cartes et additions passionnantes de cycle saisonnier. Donc effectivement les saisons on le savait, enfin, en tout cas on s'en doutait. Les nouvelles cartes, ben, on verra bien ce qu'ils vont nous sortir. Je sais d'ores et déjà qu'il y aura la Erlandra, on va le lire à peine plus bas. Donc Farming 22 vous offrira plus de profondeur grâce à un éventail de nouveaux ajouts qui donneront plus de liberté que jamais. Qu'est-ce qu'on pourra avoir comme liberté en plus que ce qu'on a déjà? Je ne sais pas. En tout cas avec le mode saison pour l'instant on est limité l'hiver. En espérant qu'on trouve quelque chose à faire l'hiver, mis à part du bois, qui jusqu'à présent, en multi, est buggé. Donc on verra après. Alors deux nouvelles cartes ainsi qu'une carte Erlangra, donc ce que je venais de dire, mise à jour. Donc jusqu'à présent, alors je sais qu'il y en a qui ne l'aimaient pas trop, moi personnellement je l'aimais bien. Donc déjà sur les trois maps qu'on aura, il y en a déjà une qui sera potentiellement potable. Mais effectivement je vois le plus loin, mise à jour, donc j'espère qu'ils ne la pourriront pas surtout. Et donc du coup, deux autres cartes qu'on aura pour commencer. Donc on commencera avec trois cartes tranquillement, ce FS22. Donc diverses permettront plusieurs genres d'activités agricoles. Plus de 400 machines. Donc là, je ne sais pas combien on en avait jusqu'à présent. Mais 400, il y a déjà moyen de faire. Il y a déjà moyen de s'occuper en attendant les modes surtout. Et plus de 100 marques d'équipement.
Je n'ai jamais compté combien on en avait jusqu'à présent, mais voilà, on avait déjà une bonne brouette. Donc on verra ce qu'ils vont nous rajouter. Y compris de nouvelles catégories de machines rendront l'agriculture, l'élevage et la sylviculture plus amusants que jamais. Donc on reste sur les trois trucs principaux. Pas de nouvelles choses. Du coup, il n'y a pas de. J'en sais rien, pas d'arbres fruitiers ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est con. On reste sur les trois trucs habituels. Et ça, c'est dommage. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Il y a plein de gens qui réclamaient le raisin. Il y en a qui réclamaient les arbres fruitiers. Et puis, il y a bien d'autres choses à faire, je pense. Mais bon, déjà, on aura des nouvelles cultures. On verra ce qu'ils nous rajouteront. Mais on reste toujours sur les trois mêmes trucs, quoi. En espérant cette fois-ci que le bois ne sera pas buggé en multi. Plus de performance et de réalisme grâce au moteur amélioré. La petite machine, la New Holland, elle n'est pas vilaine. On verra un petit peu ce que ça donnera au moment voulu. En tout cas, jusqu'à présent, elle est bien sympa. Pour ce qui est des chaumes, je vois pas trop de différence. Pour moi, des chaumes, ça reste des chaumes. Mais pour l'instant, pas trop de différence. La culture devant, on voit à peine ce que c'est, donc on va pas s'avancer dessus. Voilà un petit peu pour ça. Ensuite, est basé sur le moteur géant Tengen Mikui, qui s'accompagne d'une tonne d'améliorations. Il inclut notamment des améliorations techniques comme un comportement de l'IA. Alors ça, depuis le temps qu'on nous le dit, j'ai, on va dire avec des pincettes, je l'espère. Hein. Parce que effectivement, jusqu'à présent, nous a annoncé ça entre FS15 et FS17, ça n'a pas été le cas. Enfin voilà, si, il retournait d'une façon différente, mais bon, pas ouf. Sur FS19, ça devait être le cas, ça n'a pas été le cas, ils étaient toujours aussi cons. Avec le DLC Alpine, on avait quelque chose, enfin un Starfire, pour leur permettre d'être un peu plus intelligent, c'était toujours pas le cas. Donc, voilà, on verra, mais avec des pincettes, à mon avis, ça sera foutu, comme d'habitude. Mais on verra bien. Alors, plus réaliste, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus réaliste avec les ouvriers? Des tours de champ. Ça pourrait être sympa, comme IRL, en fait, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, pour expliquer, en règle générale, tout ce qui est champ de moisson, tu fais 3-4 tours avant d'attaquer des lignes. Donc, est-ce qu'ils vont faire ça? On sait pas, on verra. Pour le maïs, c'est à peu près pareil, vous faites quelques tours avant de faire les grandes lignes. Enfin, voilà, ils détourent, tout simplement, pour pouvoir retourner en bout de champ sans être embêté par, j'en sais rien, moi, ce qui traîne au bout, c'est-à-dire des haies ou une route ou peu importe ce qu'il y a. Donc ça, oui. Plus réaliste, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus qui roule sur la route. Donc ça va pas être facile, s'ils le font, ce qui m'étonnerait. Et qu'ils évitent les voitures. Donc ça pourrait être plus réaliste. Et le reste de l'IA, donc du coup, c'est les voitures. Est-ce que les voitures te rentreront toujours dans le cul? On ne sait pas. Est-ce que ce sera toujours des tanks? On ne sait pas. Mais auparavant, ça ne l'était pas. Et les gens s'amusaient à foutre les voitures à l'eau, ce qui faisait bugger les parties. Donc voilà un petit peu pour ça. Des environnements plus riches avec la réverbération graduée. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai regardé un petit peu, mais... Voilà, et donc du coup, c'est juste après que j'ai lu des moteurs. Donc logiquement, le son des moteurs devrait être amélioré, logiquement. La sélection des vitesses, et ça, c'est une grande surprise parce que c'était pas prévu. Ça, c'est vraiment la bonne surprise du jour. Sélection des vitesses, c'est plutôt sympa. Comment vous allez vous démerder sur clavier? J'en sais rien. En tout cas, s'il y a ça, ça sera beaucoup plus facile avec les manettes qu'avec les claviers. Enfin, en tout cas, je pense, mis à part s'ils font un truc tout simple pour les claviers. Et donc, du coup, ceux qui ont un volant comme moi, normalement, devraient être un petit peu avantagés. Mais en tout cas, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Et les variations de ton basées sur le chargement le sont aussi par la 9e. Alors, par la 9e, pourquoi ils disent par la 9e? Je ne sais pas. Les variations de ton basé sur le chargement, alors ça dépend de ton chargement, je suppose. En tout cas, on verra. Mais l'histoire de la vitesse et du son, alors surtout le son des moteurs était bien sur FS17, mais sur FS19, pas ouf. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et surtout les vitesses, ça c'est cool. La compatibilité avec DirectX 12 pour Windows, optimisation du multi threading, le streaming des textures, l'élimination des objets cachés et l'anti-crénelage temporel parmi d'autres optimisations, donneront à Farming 22 un gain de performance sur tous les systèmes, ouvrant ainsi la voie à des modes et des personnalisations plus complexes. Alors, plus complexe, j'ai bien peur que ça en décourage certains, mais si ça reste sur les mêmes scripts, ça va peut-être aller. Mais voilà, on verra ce que nous diront les modeurs. Même les limites des consoles de dernière génération pourront profiter
pour profiter de plus de contenu pour une empreinte encore réduite. Alors ouais, ils vont pousser les dernières consoles à fond, comme ils disent, bon, voilà, c'est de leur dire, justement, mais voilà, c'est inquiétant un petit peu pour les PS4 et Xbox One X. Donc on verra. Ah, Xbox One, my bad. Donc on verra, mais je m'inquiète un peu pour les anciennes consoles quand même. Hein. Mais en tout cas, pour le reste, apparemment, ils vont pousser le truc, donc c'est plutôt sympa. Alors du coup, par rapport à la photo, moi, il y a deux trucs que j'ai remarqué, c'est ces vaches-là, ici, et ces vaches-là, ici. Parce que les noires et blanches, on les avait déjà. Bon, elles ont plus la même tête, elles tirent la langue, c'est assez rigolo. Mais il y a deux races de vaches. Ah, il y a même des toutes noires, là. Il y a même des toutes noires aussi. Et moi, c'est deux races de vaches qui m'ont un peu plus surpris, puisque, à ma connaissance, hein, j'ai pas toutes les races de vaches en tête, mais à ma connaissance, les marrons, pour moi, c'est du limousin ou du salers. Et les grises, j'ai pu. Enfin, c'est les grises avec le tour des yeux blancs et les yeux tout noirs, comme si elles avaient mis du maquillage. Pour moi, c'est des vaches allaitantes, je crois. Si je dis pas de sottises, en tout cas les marrons, oui, ça c'est sûr. Mais les grises, j'ai pas le nom de la race en tête, mais pour moi ça c'est de la vache allaitante. Donc est-ce que on aura des vaches allaitantes? Ça pourrait être sympa. En tout cas, on l'a avec le mode saison maintenant. Même si elles ressemblent un peu toutes aux mêmes qu'on avait avant. Mais voilà, on verra bien. En tout cas, cette race de vaches-là, j'aime beaucoup. J'aime ça, j'en ai déjà vu IRL et c'est bien sympa, elles sont très jolies. Mais voilà un petit peu pour ce que je sais. Toujours le robot Lely. Donc on reste avec Lely pour ce qui est de la traite. Et du coup, le prix a pas trop changé. Apparemment, les barrières sont globalement les mêmes. Bâtiment assez joli. En tout cas, vu du dehors, c'est bien sympa. Mais voilà un petit peu ce que j'ai repéré par rapport aux vaches. Donc à voir si on aura de la vache allaitante ou non. Mais en tout cas, ça c'est de la limousine pour moi. Les salers sont sont un peu plus foncés et ont des bouts de bois qui sont assez énormes. Des bouts de bois, je dis les cornes. Donc un petit peu pour les vaches. D'autres détails seront annoncés dès que nous serons prêts à vous en dire plus. Le moment venu, restez à l'écoute. Nous dévoilerons mes couilles en ski. Voilà un petit peu pour tout ça. Ensuite, les massés, bien sympa celui-là. Déjà du gros massé. Le sport en direct qu'une qui est pas vilain aussi. Donc là, cette fois-ci, les chaumes, tu vois qu'elles changent un petit peu par rapport à ce qu'on a. Mais effectivement, c'est 10 photos. Donc faut toujours se méfier. Et pareil, texture du semis qui a un petit peu changé également. Un peu plus noir. Donc moi, ça me va pour l'instant. De ce que je peux en voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme photo? On a l'ancyleuse Fendt. C'est sympathique aussi. La texture du maïs a changé. Alors, vu du dessus comme ça en photo, ça fait un peu fouillis. Reste à voir sur le jeu en lui-même. Et les chaumes ont changé aussi. Et effectivement, il y a ce qui reste sur le terrain. Ça a changé un petit peu également. Quelques feuilles, etc. etc. Donc, faudra voir. Et pour finir, la dernière photo avec le gros jaune d'air qui est ici, que je me servirai probablement jamais, parce que c'est trop gros à mon goût, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui vont apprécier. Et un gros déchaumeur, c'est du Vaderstadt qu'on connaît un petit peu déjà, en espérant également on les a là, les flexibles, parce que vous savez que sur FS19, il y a du matériel, il manque beaucoup de flexibles. Donc voilà globalement, j'ai à dire pour le moment, en tout cas, les informations qu'on a, les trucs les plus importants, c'est les races de vaches, pour l'instant, en tout cas à mon goût, le son des moteurs qui est amélioré apparemment, la boîte à vitesse qui est sympa aussi, et puis l'IA apparemment qui serait beaucoup mieux. Mais bon, ça, comme d'habitude, avec des pincettes. Donc on verra pareil niveau graphisme, je pense que voilà, ils vont améliorer le truc parce que Giant vise toujours le graphisme plus que tout. Plus que le reste même. Donc on verra bien. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouve demain. On verra pourquoi. Et demain soir pour le rendez-vous des chasseurs. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.